Bonjour monsieur. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la marche Saint-Pierre de Vitrival. Voilà, c'est la marche Saint-Pierre. C'est la 60e marche Saint-Pierre à Vitrival. Donc ça veut dire que depuis 1963, les marcheurs se réunissent au sein d'une compagnie et escortent la statue de Saint-Pierre à travers le village, Saint-Pierre étant le saint protecteur du village. D'accord. Et alors vous appelez, vous êtes monsieur ? Jean-François Favresse, et donc je suis colonel au sein de cette compagnie Saint-Pierre de Vitrival. D'accord. Et depuis combien de temps vous participez à la marche ? Ah, je marchais déjà enfant, puis j'ai interrompu un petit peu, et ici depuis une quinzaine d'années, mais je marche au sein de l'état-major. Super. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de marcher Alors, pour beaucoup qui sont partis du village, mais c'est l'occasion de revenir dans les familles, etc., de voir des amis qu'on voit de façon annuelle, je vais dire comme ça. On voit aussi l'évolution du village, hein, à travers les nouveaux habitants, etc., qui viennent s'y installer. Et puis, on a une formidable jeunesse aussi qui garnisse bien nos rangs. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que je vois autant d'enfants au sein de notre compagnie. C'est vrai que c'est vraiment adorable de voir des enfants en costume, c'est vraiment beau. Il y a des autres compagnies aujourd'hui avec vous ce matin ? Oui, donc au sein de la compagnie Saint-Pierre de Vitrival, nous avons la saperie, une batterie, une garde au drapeau, deux pelotons de grenadiers et des gendarmes du Premier Empire. Et alors, viennent se joindre à nous cette matinée des délégations de Sarcin-Laurent et d'Aizemont. Cet après-midi, à l'occasion du 60e anniversaire, viendront s'ajouter d'autres délégations de Névremont, de Leroux, de Fosse-la-Ville et de Saint-Eustache, notamment. Super, eh bien, d'accord. Ben, en tout cas, on vous souhaite une très très bonne marche et qu'elle dure encore très très longtemps. Merci. Merci aussi.